Good morning, Alaïda Nessisou, aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune, Mazal Claudis, Rek Ben Fortune, Mazal Dan et Myriam, Batilisa Sayak, et Sol Vanish, le Bet Delmar. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacrement Éternel, nous étudions le Sacrement Yoma, Perek, Vav, Mishnah, Vav. Ma haya ose, cholek la shon shel zehorit, chetzio kashar basela, chetzio kashar ben shtek ranav, ou d'chafo le achorav, ve hu mit galgel ve yored. ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים איברים. בא וישב לאותה חצוקה האחרונה עד שתחשך, וממתי מת מבגדים משיצא חוץ לחומת ירושלים? רבי שמעון אומר, משעת דחייתו לצוק. On étudie dans ce chapitre tout le rituel du Saïr HaMishtaleach, le bouc émissaire. C'est-à-dire, lui, le Kohen Gadol à Yom Kippour, il a fini avec la voda du par et du saïr à Nesabifnim, vous vous rappelez, il est entré dans le Kodesh HaKodeshim, il a aspergé le sang. Une fois qu'il a tout fini, il a aspergé tout le sang sur le Aaron, sur la Parochet, sur le Mizbeach Hazav. Après, il repartait vers le saïr à Mishtaleach, le bouc émissaire. Il faisait un vitouille pour toutes les fautes de Israël. Il transmettait le bouc à une personne, un Kohen, en l'occurrence, les Kohanim avaient l'habitude de le prendre pour eux, et qui partait dans le désert. On avait vu qu'il devait partir l'équivalent de... j'ai oublié exactement, mais ça faisait l'équivalent de 8 km à peu près, quoi. D'accord? Il y avait, c'est-à-dire, il y avait 2000 amas, comme ça, il y en avait 10, 12 séquences, en fait, 11 plutôt. Et 22 000 là-bas, je crois. Maintenant, donc on avait vu qu'il y avait des sous-côtes, il y avait des cabanes en route, il y avait 10 cabanes en route, 7 rousses et demi, en fait, entre chaque cabane. Une fois qu'il avait passé la dernière cabane, il s'avançait tout seul dans le désert, jusqu'à qu'il arrivait à la falaise. Il y avait une falaise là-bas, et quoi? Alors là, on commence à lui donner les instructions de quoi faire. Mahaya Ose, que devait-il faire? Qu'est-ce qu'il faisait? Cholek Lachon Felzerut. Vous vous rappelez qu'il y avait entre les cornes du bouc qu'on avait mis un ruban rouge. Il fallait maintenant qu'il le déchire. Il le coupe en deux. Chetzi Okachar, bah c'est là. La moitié, il devait l'accrocher sur un rocher qui était là-bas. Vechetzi Okachar Ben Shtei Granav. L'autre moitié, il l'accrochait entre ses cornes. On va expliquer pourquoi, mais j'avance pour le moment. Et ensuite, ou drafo le achorav, il le poussait de par derrière. Vehu mit galgel veyored. Et lui, il roulait le saïr et il tombait dans la falaise. Veloaya magia la chatsiar. Et il n'arrivait pas jusqu'à la moitié de la hauteur de la montagne. Achina sa evarim evarim. Jusqu'à qu'il. Littéralement, qui devenait des membres, c'est-à-dire qu'il se décapitait, il se décomposait en membres. Il est, d'accord? Il tombait et donc il se déchiquetait. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, juste deux petites précisions. L'histoire du Lachon Shel Zehorit. C'est la laine pourpre qu'il avait, qu'il y avait un miracle qui se passait à Yom Kippour, pendant très longtemps ça a duré, jusqu'à vers la fin du Beth Amigdash, où il y avait un ruban rouge qui blanchissait. Où il fallait l'accrocher ce ruban rouge, c'est toute une histoire. Au début, un qui était dans la Hazara et un qui était sur le bouc. Ou au début, on le mettait dans la Hazara, puis après, on le mettait sur le bouc. Je crois que c'est plutôt comme ça que ça se passait. Je crois qu'il y a des avis sur ça. En tout cas, il y a, donc là concrètement, la Mishnah nous dit directement, il y avait le ruban rouge qu'on accrochait entre les cornes du bouc. Lorsqu'il arrivait à la falaise. Alors en théorie, on voulait, c'est le problème qu'on a. D'un côté, on veut que le Kohen, que celui qui va pousser le bouc, qu'il voie cette laine blanchir. C'est le signe qu'Hachem, il pardonne la faute du Hamisraël. D'accord? Donc en théorie, en fait, on aurait pu prendre ce ruban, l'accrocher uniquement sur le rocher qui était à côté, et on pousse le bouc, et le Kohen, il regarde le ruban qui devient blanc. Seulement, il y a des fois où Hachem il est tellement miséricordieux et qu'il pardonne les fautes du peuple d'Israël, que le ruban il va blanchir avant même qu'il va pousser le bouc. Et on craint hein, que la personne qui est là-bas, qui veut, le délégué qui va le pousser,
qui va tellement être heureux de voir la laine rouge, qui va s'exalter, il va oublier de pousser le bouc. Donc du coup, on a voulu, on lui a dit, tu sais quoi, tu laisses une part sur le rocher, mais une part tu l'accroches sur les cornes. Maintenant, on aurait pu en théorie tout accrocher sur les cornes. Le problème, c'est qu'il va pousser le bouc, ça va s'accrocher entre les cornes, il va se mettre à se pencher sur la falaise, peut-être qu'il va tomber, peut-être qu'il va pas bien le voir, trop compliqué. Donc on lui a dit, tu coupes en deux, comme ça, la moitié tu mets sur le c'est là. Même si ça va se mettre à blanchir tout de suite, pour le moment, le simple fait que je te demande de prendre la deuxième partie et d'accrocher sur les cornes, et d'aller l'accrocher sur le bouc et de le pousser, ça fait que tu vas pas t'oublier, tu comprends bien que tu as encore du travail à faire avec le bouc pour le pousser. D'accord? Et voilà, on a fini en fait la Mishnah, la première partie de la Mishnah, je crois qu'on a tout dit exactement. Maintenant, vous réalisez qu'on est vers la fin de l'après-midi, on n'est même pas vers la fin de l'après-midi, on est vers la mi-journée de Yom Kippour, plus ou moins. On a un Kohen qui se retrouve tout seul, en plein désert. C'est un peu désagréable, d'accord? Donc du coup, vous vous rappelez, il y avait 10 cabanes. Entre chaque cabane, il y avait l'équivalent du Troum Shabbat. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'on a un problème de Troumin. C'est-à-dire qu'un Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville si c'est plus habité. On est limité à 2000 amas. Alpaim amas, c'est le Troum Shabbat. Entre chaque cabane, il y a un Troum Shabbat. Ce qui fait que, dans la route de Hérouvin, celui qui a passé Shabbat dans une cabane, il a le droit de partir 2000 amas de tous les côtés, mais pas plus loin. Lui, ce délégué, il vient depuis Yerushalayim. Donc en théorie, bon, tu as une mitzvah à faire, on t'en met de sortir. Mais si tu finis la mitzvah, tu dois rester sur place. En théorie, il devrait rester dans le désert. Seulement, c'est désagréable. Chachamim m'ont fait une coula, ils m'ont dit, reviens à la première, à la cabane précédente, là où tu étais. Et c'est ce que la Mishnah me dit. Baveyashavlo, tachatsuka acharona, achetershach. Il revenait, une fois qu'il avait fini le rituel, il revenait, il s'installait, s'asseyait à la dernière souka, à la dernière cabane qu'il y avait en route, achetershach, jusqu'à que la nuit tombait. Une fois que la nuit était venue, Yom Kippour était sorti, il rentrait à Yerushalayim. D'accord? Umeimatay metame bgadim. Nouveau sujet de la Mishnah, c'est depuis quand va-t-il ses habits? À partir de quand ses habits vont-ils devenir impurs? Vous imaginez que transporter toutes les fautes du homme Israël, c'est très sympathique, ça pardonne des fautes, mais d'un autre côté, la Torah a fixé une touma spéciale sur cette personne. Le fait qu'il était mis à sec, qui s'est occupé du Seir HaMishtaleach, la Torah le dit explicitement, « Vamshalach et Seir Lazazel, Vechibes Vegadav » et il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire donc il va véhiculer une impureté. Donc la Mishnah maintenant me pose la question, à partir de quand il devient impur? Deux avis. « Mishayetze chutz lechomat Yerushalayim » selon le premier avis de Tanakama, depuis le moment où il va sortir des murailles de Yerushalayim, depuis ce moment-là, il est devenu impur, même s'il n'a pas encore jeté le saïr. Rabbi Shimon Omer, Mishat Dechiato Latzouk. Rabbi Shimon me dit non, pas depuis le moment où il sort de Jérusalem, mais depuis le moment où il va le pousser à la falaise. Là-bas, c'est la mitzvah complète. Là, maintenant, il va devenir impur. D'accord? Tout est déduit, bien sûr, de Psukim dans la Gemara, ça apporte ici dans le Tosot Yom Tov, partiellement. Qui nous dit, Vamshalach, Mashma, Misha, Shechilcho, selon Tanakama, Vamshalach et Asaïr, on a dit dans le Pasuk. Celui qui enverra le. Vamshalach et Asaïr. Celui qui enverra le. Donc depuis le moment où il va commencer à sortir et à aller l'envoyer. Et Rabbi Shimon, il va nous dire, Vamshalach, la Azazel. Depuis le moment où ils vont l'envoyer la Azazel, c'est de la falaise. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la Metzlacha, Kol Tov Selah.